Mais en fait, on avait envie, par le ciné-concert, permettre aux gens de découvrir plus la musique de film. C'est-à-dire que d'habitude, quand on va voir un film, on a la musique derrière et puis on entend les dialogues et tout, on ne voit pas les musiciens jouer. Et ici, l'idée, c'était de mettre en avant la partition pour que le public puisse plus s'immerger dans le film à travers sa musique, c'est-à-dire voir les musiciens jouer en synchronisme, voir un peu du coup aussi comment nous, on compose la musique du film puisqu'ils vont la voir interprétée en direct. Donc ça permet un peu mieux de rentrer dans le métier comme ça. L'envie qu'on avait aussi, c'était vraiment de proposer aux enfants à partir de 3 ans une histoire qui est racontée à leur hauteur, qui est racontée pour eux, mais qui peut aussi intéresser bien sûr leurs parents et leurs grands-parents qui les accompagnent au cinéma. Et puis de leur proposer une sorte de voyage à travers l'histoire de la petite chouette Choum, et que avec un format qui est 26 minutes, donc qui permet qu'ils puissent être vraiment concentrés sur toute la durée du film. C'est super de le redécouvrir avec un public et surtout avec des musiciens en live. Le son est tellement plus chaud, c'est vivant, c'est incomparable. C'est très beau. On a eu beaucoup de plaisir à redécouvrir le film comme ça, c'était magnifique.